janvier 2012, une main se tend dans le froid. Un doigt bouge un peu gauche, mais qu'a-t-on fait? Assez droit, assez droite, l'autre main soudain s'est figée. Loi de droite, un peu moche, et le voile affiché dans le gel qui le couvre au moins autant que sa couette. Les mioches le couvrent de honte en lui jetant des miettes, comme il le ferait pour un connard qui se terre dans sa martignon dans la gueule de tous ces canards caquetant dans le fort dont on aurait scellé les amarres. Tite gnole dans sa gueule à la laine de cafard, claque ses dents plus d'une fois, elles sont transies dans le froid du dédain. Il est la proie contrainte de vivre dans l'effroi. Tant de fois ce sont des regards haineux qui le toisent, sans toutefois pour autant qu'il ne leur ait cherché des noises. Allez, le froid gagnera encore pour une nuit ou deux, après il quittera la rue, ses vagues, cet univers houleux. Janvier 2012, une main se tend dans le froid. Un doigt bouge un peu gauche, mais qu'a-t-on fait? Assez droit, assez droite, l'autre main soudain s'est figée. Loi de droite, un peu moche, et le voile affiché dans les rues de Marseille. Il n'est pas le bienvenu, les élus voudraient le voir haché, bien menu. Quel triste air, on lave les cités au Karcher. Les municipalités ne protègent que les êtres chers. Font-ils partie du patrimoine pour mériter tant d'attention? Et font-elles cette neige que se calme un peu sa tension? Il veut mettre son ventre en pension, mais qui va régler la lition? Sa main est remplie de mépris, son estomac en paye le prix. Puis arrivent les agents pour lui susurrer des mots doux. 38 euros pour un mendiant, assurément ça fait beaucoup. Sans une thune, c'est une raison dans son cou pour un grand frisson qui fait Noël sous les balcons, qui fera pas que on